Numéro bis. Le monde romain, en la personne de César, met le peuple rouennais en doute. Je vais donc lui montrer de quoi les Rouennais sont capables. D'accord. Je vais lui construire le plus magnifique des palais. D'accord. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. Va, numéro bis, construis ce palais. Tu as 3 mois. Avec combien de temps de retard? 3 mois, ça sera... Ça ne me semble pas très faisable, madame. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Mais si tu échoues, je te jetterai au crocodile. Il est le magnon. Ils ont mangé le magnon. Numéro 10, tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. Numéro 10. Prépare ton sarcophage. Double esquive. Mon beau-fils, la violence du moine n'a jamais fait la bise du moine. La feuille enveloppe la pierre. T'es sûr? Sûr. D'accord. Je suis à mon beau-fils et je bouille avenue numéro 10. Attrape-moi si tu peux. Et comment tu vas faire pour te relever maintenant? Comme ça. Ah, mon beau-fils, c'est ridicule de se battre. Associons-nous et finissons la construction ensemble. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi? Un lion ne s'associe pas avec le cafard. Non, parce que moi j'avais compris, un lion, il n'a jamais fait de placard. Je me disais, c'est n'importe quoi quand même. Hein. Non, c'est pas ça. Oh, la lion! Lâche-moi! Ce que je te disais tout à l'heure, c'était moi le lion! Ouais, bah si j'avais compris, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh!
s'associe pas avec le cafard.